on aurait pu vous dresser un portrait des sauveteurs en mer type alerte à Propriano. Mais ce qui se passe ici est bien sérieux. Nous sommes dans les locaux du pôle régional de la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer à Propriano. Pendant une semaine, ce groupe de 12 stagiaires va suivre une formation. L'objectif final est de devenir chef d'une embarcation de surveillance, un patrouilleur, sur les plages corses cet été. Le stage est séparé en plusieurs modules, la pratique et la théorie. Ici, dans cette salle, en fait, on leur apprend à manier la cartographie électronique. C'est le GPS, un petit peu comme dans votre voiture, qui permet de savoir où on est, où on va et où est-ce qu'on va faire l'intervention. Donc là, on leur apprend à rentrer dans les fonctions de l'appareil et d'exploiter au maximum le potentiel de l'appareil pour pouvoir être le plus efficace possible lors des opérations. Vous ne parlez pas trop vite, parce que si vous avez tendance à parler trop vite, le problème, c'est que vous allez risquer de manger des informations. Rien n'est laissé au hasard, pas même la prononciation et le ton à adopter à la radio. Normalement, le stage n'a lieu que sur le continent, à Saint-Nazaire, au siège national de la SNSM. Exceptionnellement cette année, une session est organisée en Corse pour soulager les besoins des communes lors de la période estivale. Derrière nous sont réunies 12 personnes qui postulent donc pour l'examen de chef de bord en vue d'armer des patrouilleurs de surveillance et de sauvetage qui seront déployés la saison prochaine au bénéfice de plusieurs communes du sud de la Corse afin d'assurer des missions de surveillance, prévention et secours. Les sauveteurs stagiaires viennent de 5 stations locales de la SNSM, Calvi, Bonifacio, Propriano, Porto Vecchio et Bastia. Pour eux, cette formation avant l'été est primordiale. L'assistance aux personnes est très importante chez nous. Et c'est vrai que dans tout l'été, il y a beaucoup, beaucoup de monde et ils ont besoin de beaucoup de sauveteurs. Une fois en mer, malgré le mauvais temps, les formateurs forcent les stagiaires à s'acclimater avec leur futur environnement de travail. L'exercice consiste à faire naviguer les personnels des patrouilleurs dans les zones un peu accidentogènes, du type Portopôle, la pointe de Portopôle, on a beaucoup d'usagers pendant l'été, et différents types d'usagers, tout ce qui est kitesurfer, jet-ski, location bateau, plongeur en bouteille et chasseur en apnée. Donc c'est une zone dans laquelle on navigue énormément, donc on leur fait prendre leur marque dans la zone, se repérer, prendre des alignements avec des points de repère à terre, apprendre à manipuler les outils de navigation. L'an dernier, la SNCM, c'est presque 6000 personnes secourues en France pour environ 3200 interventions. En Corse, on compte 810 interventions pour plus de 1000 personnes secourues. Cet été, les 12 stagiaires viendront en renfort et seront déployés sur les communes de Propriano, Bonifacio, Porto Vecchio et Lecce.